one for you, Dogen. But Noah can't know. You owe me a lot of script, Faith. I expect you to deliver on your promise. Every new day holds a promise. Waste it or spend it advancing yourself, furthering your prospects and your career. As a future employee of a corporation of your choice, your possibilities are infinite. The key to success lies in unlocking your inner potential through hard work and relentless dedication. As an employee, you are expected to perform at the top of your abilities. Last day, huh? And you constantly strive to excel. I thought we'd keep you here forever, Leech. Work is rewarded. Maybe you'd like another 3 months. Laziness punished. It would be so easy. Personal freedom comes at a price. Come on, let's go. We got a full day ahead. Our great society expects every employee to contribute to the corporation of their choice. Has served a 12-month sentence to which 9 months radish for several incidents of insubordination. Deemed ready for conditional release. Now, if it was up to me. Policy exists to keep you safe. Be wary of policy breakers in our midst. Upon release, you must seek immediate employment and will be monitored through your grid link. If you do not find employment within 14 days, you'll be relocated to a Greyland facility. Do you understand these conditions? Just get me out of here. Work hard and you will be rewarded. Dressing rooms to the left, Leech. Anyway, rise to high caste level and enjoy riches well deserved. Dogen sends his best. Enjoy your freedom. Right here, and so there should be ample opportunity for you to find new employment and lead a happy and productive life. You have been given a rare second chance. Make sure not to squander it. Hey, salut tout le monde, Zumpis, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale sur Mirror's Edge Catalyst, version bêta. Et oui, donc on se retrouve donc sur la version bêta du prochain Mirror's Edge qui va sortir en juin. J'ai pu avoir une clé bêta grâce à LPR36L qui m'a fourni tout ça. Donc comme vous avez vu dans la cinématique, c'est tout en anglais, vous inquiétez pas, j'ai foutu des sous-titres pour que vous compreniez à peu près ce qui se passe. Cette vidéo est là juste pour vous montrer ce que va donner le prochain Mirror Edge, pas pour faire un let's play en entier dans la version bêta, hein. C'est juste une vidéo de 25 minutes on va dire, qui va vous montrer un peu ce que donne le nouveau Mirror Edge, parce que on se souvient de l'ancien qui était déjà une assez bonne révolution, une assez bonne surprise à l'époque. Et là, franchement, dans ce qu'on a pu voir, il est assez joli aussi. Donc, on va commencer tout de suite. Je tenais juste à faire ma petite intro dans le menu pause, histoire qu'il se passe rien pendant ce temps. Voilà. Alors, donc, je sais pas si c'est très fluide dans la vidéo, mais en tout cas, moi, je tourne bien le jeu. Ah, franchement, et il est stylé. Alors, je sais pas trop. Ouh. Ah oui, le contrôle, c'est pour se baisser et pour faire une glissade. Ah oui, on court automatiquement. Il n'y a pas de bouton pour courir. Ah ! Oh, il m'a tabassé ! Vas-y là. Oh putain, il tabasse à chaque fois que je viens vers lui. Oh, c'est des violents les gardes. D'accord, moi je croyais qu'il fallait lui parler pour qu'il ouvre la porte, mais même pas, c'est des violents. Là, je sais pas. Ok, lock. Don't just stand there. Come on. Je sais pas si c'est normal, mais j'ai un truc bêta qui s'affiche tout le temps sur l'écran et qui bouge dans tous les sens. Ça me stresse, mais c'est pas grave. Noah sent me. You could be anyone. Well, you'll just have to trust me. Here, take this. I want to get off the streets. A beat link? But put it on. We need to get you connected and calibrated. I know Noah's eager to talk to you. What the hell? Come on, we need to get moving. Stop.
Il vient de dire qu'il s'appelle Icarus. Ok. Si vous ne comprenez pas, il faut aller voir mon premier let's play hein, sur le premier Mirror Edge. J'ai plein de trucs qui s'affichent dans tous les sens, what the fuck. Et j'ai plein de sons. Waouh. Faut jouer avec les écouteurs, je veux, parce que là t'entends les sons dans tous les côtés. Oh, sorry, almost forgot. We have to cut your grid link. It's causing the interference. Is this what the employees see all the time? Yeah, I guess you're not reformed enough to enjoy it. I'm not reformed at all. There you go. You're off the grid. Ah, ça va mieux là. Now they know you're gone. Time to get off the ground. Donc apparemment ça se passe bien après le premier Mirror's Edge. Vu qu'on était en tôle apparemment et... Oh. Ça va, je suis pas rouillé, il y a mon chat qui fait n'importe quoi à côté. Ça va, ça c'est simple. Je pense qu'on était en prison parce que à cause des... Merde, putain, je me suis trompé de bouton, je suis... le fail. Parce qu'on était en prison parce... à cause de l'affaire du 1. What? Ah, elle a pas sauté. Hold the space, c'est pas ce que j'ai fait. Ok, elle avait pas voulu. Ah non, d'accord, ouais, faut sauter après. Oui, ici un chat pour rouiller quand même. Hein. Ça a recommencé assez mal. Hein. F, light attack. D'accord. Ils ont changé les touches. Avant, c'était les clics souris. Oh! J'ai l'impression d'être dans Mad Max. Oh! 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 Ça fait mal. Attendez. Ah, c'est clic droit, d'accord. Ils ont changé les touches hein, pour les souris. Make your way. I made it inside. Someone tell me what the hell is going on. They were gonna send you to a grid link from Dome Faith. We had to get you now. Cutting your grid link makes you a fugitive, but we planned for this. Follow the runner echo through the warehouse. Icarus will meet up with you on the other side. By then you should be in the clear. If you can make it through that old place, time to see if the fabled faith is all that she's made out to be. Nobody likes a smart mouth, Icarus. She'll do fine. Ok, il se parle beaucoup, moi je comprends pas trop parce que j'essaie de courir en même temps, du coup traduire et courir en même temps c'est pas trop ça. Mais faut pas, ah oui, faut pas s'inquiéter. Au montage, comme je relirai, je comprendrai l'histoire. Comment qu'on passe à là? Ok, quand tu maintiens l'espace, elle fait un espèce de saut par-dessus le truc. Ah oui, ça je me souviens des courses sur les murs là, c'est trop stylé ça. Oups. Ah franchement le jeu est pas mal refait hein. Enfin refait, non, pas mal repris plutôt. C'est le Dead Cell, c'est pour ça qu'il y a un truc rouge devant nous. Je pense qu'après il est plus, sinon ce serait un peu trop facile. Make your way. Okay. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Très bien. J'ai sauté, apparemment pas assez loin. Je pense qu'on va essayer de faire au moins un épisode. Un épisode dans le jeu. Ah d'accord, c'est pour ça. Ok. Un épisode dans le jeu avant de s'arrêter. Et quand je referai le let's play, parce que je compte bien faire un let's play sur ce jeu, une fois qu'il sera sorti, et ben on... Je recommencerai du début, comme ça il sera en français et tout. Oh! Je t'ai pas vu toi.
Ah, ils ont de la vie maintenant. Avant, ils avaient pas de vie. Je sais pas si vous avez eu le temps de la voir au-dessus de. En haut de l'écran. Ah, Carus. Nice. I asked nicely, but he wouldn't step aside. And now they know you came this way. Like I had a choice. Sure. We need to clear out. Better take a different route to the Everdyne Tower. We'll split up again, keep them confused. Can you make it across to those pipes? Of course. Good. Your B-Link should be calibrated by now and your runner's vision working. Just follow the red and I'll meet you at the tower. Let's go. Ok, il nous a expliqué que notre Beatlink, là, c'est l'espèce de machin qui nous a refilé au début, peut nous permettre de voir des trucs. Presse Alt. Alt active. Ok. Ah ouais! Il y avait un peu pareil dans la première version, sauf que ça te. Là en fait, ça te dit par où faut aller, par quel chemin passer. Alors qu'avant, c'était genre. Ça te mettait dans la direction où fallait aller. Ça te mettait la vision dans la direction où fallait aller. Pas mal. Faut pas la désactiver parce que ça me saoule. Non, apparemment, ça veut pas. Hein. Oh. Ah, t'avais l'habitude d'habitude. T'avais l'habitude d'habitude. Ça veut rien dire. T'avais l'habitude avant. Oh. Ouf, c'était chaud là. Mais c'est chiant ça, on peut pas y enlever. Merde, je suis tombé de touche, j'appuie. Voilà. Allez, oh. J'adore la violence. Il y a une barre en bas à gauche, je sais pas à quoi ça sert. Ah ça c'est stylé par contre, ça a été pas bon. Ah. Ça y est. Non, ça peut pas. Ok. Non. Ah. C'est plus difficile que ça en a l'air. C'est pas. Faut peut-être juste aller sans sauter. Non. Ok. C'était un peu difficile, mais ça. Oh. Hop là. Ah merde, putain, j'appuie jamais sur contrôle. Je me casse tout le temps la gueule. Ça c'est plus difficile que ça s'en est. Est-ce qu'il y a encore. Ah non. Il n'y a pas encore le saut où on se retourne d'un coup comme ça. Bah je fais que ça. Ok, on se fait attraper cette fois. Yo ma kaki. Ah voilà. Oh, at least you got here before dawn. Who are you anyway? When did you join the Cabal? About a year ago. Well, I grew up with them. So how about you cut me some damn slack? You also got caught and caused a whole lot of trouble for Noah. You don't know what happened. I know enough. And I know that I'm faster and safer than you. Faith, are you at Orion yet? I'm here. Bit crowded with new guy and his ego. Knock it off, both of you. Look, we are out of options. The only way out is through the Everdyne Tower. And with Kasek there, you're gonna have to fight them. Icarus, upload the combat mod to Faith's Beatlink. All right, done. Good. Faith, use the mod to freshen up your fighting skills before you go on. I was hoping it wouldn't come to this, but looks like we don't have any choice. Don't worry, Noah. I can do it. I know you can. Noah, il me semble qu'il était déjà là, mais lui, ouais, il a, apparemment, il a rejoint il y a à peine un an. Ouais. Okay. Ah non, ah, et le coup de pied. D'accord.
comprends pas la différence entre coup de pied et A et coup de pied. Ok, ça, ça. Ça marche pas! Putain. Ça veut pas. Non. Direction un peu neutre, self damage, the stumble into object. Ah! Non. Comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends. Stumble, je comprends pas ce que ça veut dire en fait. Open and throw save damage when you say stumble into object. Ah! Ah merde. Ok, simple. Ok. D. C'est quoi D? C'est droite. Ah d'accord! Tu peux diriger tes coups. Tac! Sur l'autre. Pas du tout ce que je voulais faire, merci. Ah, ah en fait il se trompe. C'était Q qu'il fallait faire contre l'autre. C'est pour ça que j'y arrivais pas. C'est parce qu'en fait c'est en il me dit en clavier QWERTY alors que je suis en AZERTY, forcément. Mais voilà. Je recommence. Attention. Oh. Ça je connaissais le coup de pied. Coup de pied en sautant c'est plus puissant quoi. Oh. C'est stylé ça. Faut aller où maintenant? Par là. Springboard, un swing. Ok, c'était ça qu'il fallait faire apparemment. Oh, raté. Oh, c'était stylé ça. Combat tutoriel. Continue. C'est bon. Je fais le combat tutoriel. Ça serait bien, je sais pas pourquoi elle a pas sauté. Des fois, je sais pas. Ok, ça y va. Oh! D'accord, c'était une vitre. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un en face de moi. Oh! Oh! C'est coup de pied les clits maintenant. Oh! Dans tes couilles! Attention! Oh! Pouah! Tombe! Ah. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bugué. On va me faire chier. Voilà. Ok. Tu fais dodo? C'est n'importe quoi. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête de faire le malin, il te matraque. Je connais pas du tout le jeu forcément vu qu'il vient de sortir en bêta fermée alors je vais pas connaître le jeu par cœur hein, comme dans le premier. Ah merde, j'allais l'attaquer. Bah si, faut l'attaquer, c'est un méchant lui. Il triche, c'était scripté.
That's a negative, Control. No visual. She couldn't have survived that. Faith, don't move. No vitals. She's dead. Let the cleanup crew dig up the body. I got better things to do. Yeah, she took out all of them. Send an EMT too while you're at it. I'm done here. Ils auraient pu me sous-titrer là, je vais galérer à traduire. Très bien. bon bah tant pis, je galérerai. Allez, tu peux le faire, Face. D'ailleurs, Face, ils ont fait son design et franchement, elle est stylée. Elle fait beaucoup plus adulte. Oh putain, ce fail. Elle fait beaucoup plus adulte que dans le premier. Le premier, elle faisait un peu. Oh, pas adolescente, mais. Là, elle a la vingtaine, là, elle fait plus 25-30 quoi. Bon, je suis retourné donc à l'endroit où je me fais à chaque fois. Il y a aussi un truc que Pierre m'avait dit aussi hier, je me souviens. C'est qu'on peut faire une roulade si on fait CTRL et espace. Une petite roulade. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais. Ça doit servir à quelque chose. Ouais, je sais pas pourquoi là, elle saute comme il faut. Alors que tout à l'heure, je faisais exactement pareil. C'est pas grave. Roulade. Je sais pas à quoi ça sert. Attendez, faut que je prenne de l'élan plutôt là. Plutôt que de faire le con. Faut aller où là? Voilà, par là. Ok. Les élévateurs, tu acceptes pour accéder au toit. Très bien. Ouais. Ça, on pouvait appuyer sur une touche, c'était A, je crois. Et en fait, ça te retournait direct et hop, tu pouvais faire un saut. Mais tu pouvais faire ça sur un mur. Genre, tu sautais sur le mur comme ça, tu te retournais d'un coup et tu pouvais sauter en face. Et là, j'ai pas l'impression qu'on puisse y refaire. Dommage, j'aimais bien ce saut. C'est stylé. Waouh, c'est magnifique. Franchement, le jeu, c'est une tuerie. Franchement, déjà, à l'époque, c'était super joli. Mais là, regarde-moi ça, là. Ce vil futuriste des ténèbres. Bah, je pense que c'est une... Ouh, putain. C'est une bonne vision pour s'arrêter. Hein, franchement, sur un lever ou coucher de soleil, je ne sais pas. C'est une bonne vision pour s'arrêter là. Pour ce petit épisode bêta... bêta test, on va dire. Donc, si vous êtes un peu rebuté par l'anglais qui était présent tout le long, même si j'ai, pense, traduit la plupart au montage, hein, bon, j'en ai fait peut-être quelques petites fautes, mais c'est pas grave. Quand je ferai le let's play, je recommencerai cette partie-là, donc on reverra tout ça en français, donc ne vous inquiétez pas. Donc le let's play commencera quand le jeu sortira, il me semble que c'est le 19 juin, quelque chose comme ça. Donc ça arrivera bien assez vite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et que vous avez apprécié découvrir le jeu avec moi. Pour info, je ne continuerai pas le jeu avant la sortie officielle. Hein. Je me garde la surprise en let's play, donc faire un let's play découverte, c'est mieux, je trouve. C'est en plus, sur un jeu qui est Mirror's Edge, qui est juste formidable, quoi, franchement. Waouh. Bref, on s'arrête là, on se donne rendez-vous la prochaine fois sur d'autres vidéos. Ciao, bye bye.